Mais qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez Sopan. Ce que nous allons voir ici, vraiment c'est étonnant. Il y a l'impression que les gens même cherchent à énerver Dieu. Ah! Il y a beaucoup de femmes dans le pays là, des jolies filles que tu n'as rien vu, tu n'as pas vu même. Au point où tu vas maintenant épouser une poupée. Ah! La fille là aussi, oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe pour que toi aussi tu ailles et tu vas. Hein? Comment tu expliques ça? Comment ça se passe? Mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Ce que nous allons voir ici, c'est si cela n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Incroyable, mes frères. Des gens qui ne nous aiment pas ont décidé d'épouser des poupées. Juste comme ça. Et on nous parle des poupées. Les poupées sexuelles. Toi, tu as acheté la poupée là, c'est pour faire les choses. Suivez-nous, allons au studio, nous allons voir ça. Vous serez même surpris. Il y a un homme qui va nous expliquer comment ça s'est passé, comment ça rencontre avec la poupée, jusqu'au mariage. Ah, dès que j'ai fait la caisse, j'ai l'ai vu. Abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Suivez-nous. Si vous avez peur des choses comme ça parce que ça vous effraie, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, faites attention en même temps. Parce que ce que nous allons voir, franchement, mes frères et sœurs, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Après, les gens vont accuser le diable pour dire « Ah! C'est le diable! C'est le diable! » C'est toi. Le diable, c'est toi qui vient te proposer des trucs. Et puis toi, si tu acceptes. Surtout parce que c'est de la blague, tout ce que nous sommes même en train de vous raconter ici. Regardez ça. C'est pas de la blague, mes frères et sœurs. Ceci est bien réel. Des femmes et des hommes ont décidé d'épouser des objets. Bon, des poupées. Comme vous le voyez à l'écran, cette femme a décidé d'épouser une poupée zombie. Et cet homme africain, lui, il a décidé d'épouser la chose la plus incroyable qu'il a pu voir de sa vie. Et c'est également une poupée. Et cet homme va nous expliquer ce qui s'est vraiment passé dans sa tête. Parce que nous tous ici, on a envie de savoir. Ah, beaucoup de jolies filles n'a pas vu. C'est une poupée maintenant que tu vois jolie. Regardez même ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on dit? Voici ce que les gens se disent. Ils disent insolite. Un Nigérien épouse sa poupée sexuelle. Ah, est-ce que lui a bien fait les choses? Bon, regardez même ici. On nous dit, un homme qui épouse une poupée sexuelle en Afrique. On pourrait penser à un poisson d'avril seulement, on est en février. Et oui, c'est bien réel. C'est au Nigeria que le mariage a été célébré. Mais le mariage a été célébré par qui? Qui a célébré le mariage? C'est quel pasteur? Qu'est-ce qu'il n'a pas avec toi? Ah, mais toi, pasteur, c'est toi qui célèbre le mariage de ce type. Que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne. Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas? Bon, regardons même ça. On nous dit que l'homme qui répond par le prénom de Davika a décidé de se marier avec une poupée sexuelle qu'il a acheté sur internet. L'homme affirme qu'il est tombé amoureux de la poupée juste après leur premier rapport sexuel. Pour lui, Sidore Kuruneko n'est pas une simple poupée sexuelle. Il la considère comme sa femme. Eh bien, je le sais ou quoi? Dès que tu as fait la première chose avec la poupée là, ce qu'elle t'a donné là, c'était même plus qu'une femme réelle quoi. En même temps, tu dis, bon, mariage est mieux. Les gens sont en train de faire des bêtises. Les gens sont en train de faire des bêtises. Je pense même que la colère de Dieu, ça va être chaud.
Chez nous, on dit, la colère de Dieu, ce n'est pas bon. Waouh! Il dit, il la considère comme sa femme. Vous l'avez bien vu de vous-même. On dit, le plus étonnant dans l'histoire est que Daveka a une autre poupée qui est sa maîtresse. Est-ce que vous pensez que ce qu'elle est normal? Je ne comprends pas. Attendez, revenez un peu. Regardez bien ça. Ah mon frère, on n'a rien contre toi, hein. On n'a rien contre toi, tu es un bon gars. Mais ce que tu dis de faire comme action là, ce sont des mauvaises actions. Ah, est-ce que tu n'es pas possédé par hasard? Est-ce que les démons ne sont pas en train de fatiguer le gars là-haut? Nous devons prier pour lui. Hein. Les pasteurs, il y a du boulot. Nous devons prier pour un gars qui est même perdu. Et bon, on nous dit qu'il a déclaré que ça s'est passé à peu près quand j'ai ouvert sa caisse pour la première fois. C'est lui qui parle. Hein. Il dit, j'ai été immédiatement stupéfait par sa beauté naturelle. Et après m'être recueilli mentalement, la voix extraite de sa caisse la voix assise sur le canapé. Je l'ai juste tenu dans mes bras pendant un moment. C'était tellement normal et naturel. Si vous pardonnez le jeu de mots, il me semblait tout à fait normal de traiter quelque chose qui ressemble à une femme organique de la même manière que je traiterai une femme organique réelle. Mon frère, tout ce que tu racontes là pour moi, ce sont des histoires. Tout ce que tu racontes là pour moi, ce sont des histoires. Tu as été de faire des trucs terribles et on te parle, tu nous parles d'une poupée que toi tu kiffes, que toi tu aimes. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux être béni? Ou c'est quoi tu cherches? Tu vas aller au paradis, où c'est où tu vas aller. On va même pas t'accompagner là-bas, mon frère. On va pas aller t'accompagner là-bas. Vous pouvez penser que ce sont les hommes, c'est moi qui font des trucs pareils. Moi, aujourd'hui, il y a certaines femmes, vraiment. On a l'impression que c'est le diable qui a fait le travail. Mais les hommes aussi sont de participer aussi au jeu. Regardez même ça. Comment vous la montrez à l'introduction? Cette femme aussi a décidé de se marier avec une poupée. Une poupée zombie qu'elle embrasse devant les champs. Qui a célébré la poupée? Moi, je ne sais pas. Bon, qui a célébré le mariage? Exactement comme ce gars. Moi, je ne sais pas. Mais ce que nous sommes en train de voir vraiment, c'est grave. Et partout dans le monde, les gens sont accueillis cela comme une bonne nouvelle. Le monde est en train de se gâter ou c'est en train de se détruire. Ce gars-là a même une poupée. Elle est jolie. Mais c'est du caoutchouc quand même. Comme vous la voyez, elle est capable de faire des rapports sexuels avec un être humain. Ou c'est l'homme lui-même qui va lui faire les choses. Parce qu'un autre monsieur qui s'est marié avec une autre chose que moi je ne comprends pas. En plus, il nous présente sa bague, son alliance, quoi. Jean pour dire, regardez mes bagues, je suis marié. Qu'est-ce qu'il va pas avec toi? Chez nous, on dit à le purifier, on va te purifier. Mais regardez vous-même. Ah. Et il nous montre également un truc, bon, peut-être comme un certificat de mariage. Un truc qui confirme qu'il vient se marier, quoi. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de même créer des poupées pour satisfaire les besoins de ces gens, de ces gars qui ne veulent plus de femmes, qu'ils appellent les femmes organiques. Ils sont en train de fabriquer des poupées. Regardez même la tête, regardez même sa tête, regardez même ça. Ah, tu vois même la démonter. Et elles sont jolies comme ça. Elles sont même peut-être plus jolies que certaines femmes même de notre monde. Parce que ça, vraiment, c'est une beauté artificielle.
Comme vous le voyez, ça se répand. Et les gens sont en train de se balader. Et le gars, lui, il est venu. Il est venu juste là comme ça pour prendre les choses en photo avec sa copine. Et sa copine, c'est sa poupée. Et ils ont même les choses ensemble. Et il a pris une poupée qui est à sa mesure, qu'il aime bien. Au moins, la poupée ne va pas bavarder avec lui. Il ne va pas le tromper. Mon frère, ça peut être un peu avant de tromper. Hein. Mais il faut qu'on te dise que ce que tu fais là, c'est mauvais. Dieu ne peut pas approuver ça. Donc nous aussi, nous devons faire ce que nous devons faire. C'est notre boulot. On peut avoir des trucs pareils et puis c'était. Mes frères et sœurs, c'est bizarre, mais c'est ce qui était se passé. C'est pas de la blague, regardez. Est-ce que c'est pas un démon même qui se trouve même dans la poupée? Peut-être que c'est un esprit qui pousse ces poupées, qui pousse les gens à les acheter, qui essaie. C'est-à-dire que les gens sont victimes d'une manipulation démoniaque, c'est ce qu'on va dire. Comment les gens peuvent-ils aller jusqu'à épouser des poupées? Vraiment, le monde n'a plus de sens, les gens n'ont plus d'intelligence. C'est comme ça, à cause de ces genres de choses, Dieu même dit que l'intelligence du monde, c'est de la folie. Une autre personne qui traite sa poupée comme une femme ordinaire, et la positionne même dans la voiture, c'est un truc incroyable. Ah, regardez, il parle avec elle. Peut-elle lui répondre? Les gens ont d'adorer Dieu, ils ont décidé d'adorer les statues. Mais là, finalement, c'est ton sommet, un truc pareil. Il va même dans la douche avec elle. Il prend une douche avec la poupée. La poupée aussi est jolie comme ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Regardez. Il regarde la télévision même avec la poupée. Et elle a tout ce qu'une vraie femme peut avoir. Quelle est la différence entre elle et une vraie femme? Ce qu'elle recherche, c'est le sexe. Mais elle, elle est une poupée. Qu'est-ce que les femmes pensent de ça? Je pense que les femmes doivent réagir et nous dire ce qu'elles pensent vraiment. Parce que les hommes, certains hommes, ont décidé de se marier ou d'épouser des créatures du monde des ténèbres qui s'incarnent en des poupées. Mes frères et sœurs, c'est grave. Les femmes doivent se lever, les femmes doivent se lever. Elle a dit non. Chez nous, on dit, il y a longtemps, on a banqueté depuis là, venez nous recruter, mettez-nous sur le terrain. Il y a des femmes qui attendent le mariage. Elles sont même à l'église, elles étaient de prier même. On chasse les démons matin, midi, soir à cause du mariage. Et toi? On est venu aider les filles là. Quand tu viens t'épouser une poupée. Vous avez vu ce que ce gars-là même a dit? Mon frère, tu es un bon gars. Mais ce que tu t'es fait là, c'est mauvais. Ah, oui, frère, si vous voulez qu'on encourage ça? Mais bien sûr que non. Nous, on ne peut pas vous encourager sur le chemin. Est-ce que c'est sûr que tu auras un enfant? Ou bien le bébé que tu vas sauter à voir là? Tu veux que le bébé là soit aussi une poupée quoi? Donc, tu vas avoir que des poupées dans la maison. Hey, Seigneur Jésus, les gens ont décidé de devenir fous. Les gens sont devenus fous. Il faut tout et n'importe quoi. Ah, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Est-ce que vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo? Si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo, abonnez-vous, partagez cette vidéo et puis cliquez tout sur j'aime, surtout cliquez sur j'aime. Les femmes, réagissez maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord? Ou bien vous les femmes là, vous voulez aller aussi marier les poupées quoi. Mais vous voulez aller marier les poupées. C'est à cause à chaque fois qu'on vous voit dans la rue, on vous dit bonjour ma chérie, est-ce que tu as 06? Elle dit non, laisse-moi tranquille. J'ai déjà un homme dans ma vie. Mais tu fouilles, c'est une poupée. Tu as une poupée chez toi aussi. Ma frère et soeur, ça vous fait rire. Mais c'est ce que les gens sont en train de faire. Dans un témoignage puissant qu'on a vu ici sur Sorbonne, un homme a parlé de telles choses. Les gens ont fait le mariage contre nature. Un homme qui allait épouser un autre homme. Une femme qui allait épouser une autre femme.
nous en parlerons. Abonnez-vous maintenant, comme on vous l'a dit. Cliquez sur ce bon dossier, allez sur notre page d'accueil. Abonnez-vous sur notre 3 chaîne. Nyan Soubon TV, Soubon 3 et Nyan TV. Et soyez pas pour la prochaine vidéo. Ça risque d'être chaud, hein. Soyez prêts.